Chers amis de Léon Gioléo, merci une fois de plus de nous faire confiance. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour parler de l'actualité de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, l'actualité reste dominée par l'Union Sacrée, convoquée par le chef de l'État. Aujourd'hui, pour cette émission, nous allons nous poser la question de savoir comment est-ce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, peut gérer les ambitions des uns et des autres. Parce que chacun est venu avec son cahier de charges. Est-ce qu'il saura tenir compte de tous les cahiers de charges sur sa table? C'est en tout cas la question que nous allons nous poser au cours de l'émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous recevons un professeur d'université. Il s'agit bien du professeur Patrick Mende. Il est professeur du droit constitutionnel. Il enseigne dans plusieurs universités de la République démocratique du Congo et plus particulièrement à l'université de Kinshasa. Professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Bien que ça fait très longtemps depuis que le président de la République a appelé à l'Union Sacrée, nous ne nous sommes pas retrouvés. Et aujourd'hui, ça fait quand même plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup, professeur. D'entrée de jeu, nous sommes en train de suivre avec beaucoup d'attention l'actualité. D'entrée de jeu, je vais vous demander quelle lecture faites-vous de cette union sacrée convoquée par le chef de l'État? Merci. L'union sacrée de la nation, à mon sens, c'est une idée. Une idée qui est sortie du président de la République après avoir analysé, attaqué garant du bon fonctionnement des institutions. Il a analysé que les 2 ans qu'il a eu à faire avec la coalition FCC-Cache, les choses n'allaient pas dans le sens qu'il voulait et qu'il fallait chercher à gouverner autrement. C'est comme ça qu'il a sorti cette idée pour que, chercher et puis avoir les changements dans la gouvernance. C'est un peu ça ce que je comprends de cette union sacrée. Mais il y a de ceux-là qui disent que jusqu'à présent, l'union sacrée n'a pas encore de forme. Ce sont eux qui, tant qu'ils sont en train de venir, ce sont eux qui vont donner forme à cette union sacrée. Le président de la République, dès le départ, il avait juste convoqué l'union sacrée, appelé à l'union sacrée de la nation, sans pour autant avoir un contenu proprement dit. Bon, de toute façon, ceux qui parlent de l'absence de la forme à l'union sacrée, ils savent ce qu'ils disent, ce qu'ils s'attendent à donner forme. Mais à mon humble avis, il s'agit d'une idée qui est sortie, idée autour de la bonne gouvernance. Parce que c'est ça, fait l'essence de l'union sacrée de la nation. Et que s'il faut encore de plus en plus donner forme à cette idée, c'est la conjugaison des efforts de tout et chacun. Donc chacun doit mettre dans sa tête que les choses doivent changer dans ce pays et que comme tel, il y a nécessité d'avoir une nouvelle gouvernance, une gouvernance assise sur des valeurs. Moi je crois que donner la consistance à cette union revient à un peu oublier les égos des gens et comprendre qu'il faut travailler naturellement pour les intérêts les plus légitimes qui sont les intérêts des Congolais. Les intérêts des Congolais, je crois que nous allons y revenir, mais aujourd'hui, le chef de l'État est parti du constat selon lequel les 2 ans passés à la magistrature suprême étaient un échec au regard de l'accord FCC-Cache. Selon lui, il a mis fin à cet accord FCC-Cache parce que c'est le FCC qui bloquerait. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les mêmes personnes qui étaient au FCC venir intégrer l'Union sacrée, est-ce qu'on n'aura pas à donner raison à ceux qui disent que l'Union sacrée de la nation est l'élargissement de l'accord FCC-Cache à Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba? De toute façon, on n'a pas besoin d'être des prophètes des malheurs. Nous avons au Congo besoin d'avoir un nouveau type de Congolais. C'est-à-dire que ce sont les mêmes individus qui, hier, ont travaillé de la manière qui n'avait pas manifestement donné la chance au développement de ce pays. Mais si ces mêmes gens, ces mêmes personnes, parce qu'on ne va pas en créer d'autres, si ces mêmes personnes ont compris qu'il fallait changer de choses, à mon humble avis, je ne vois pas comment on peut parler de l'élargissement du FCC, tout simplement parce qu'il s'agit des mêmes individus. Donc à mon humble avis, il s'agit d'une idée qui doit être concrétisée dans le sens de donner un peu, de redonner le sourire aux Congolais. C'est un peu ça, ce que je comprends de la situation. Vous allez souffrir un peu, professeur, parce qu'aujourd'hui on ne parle pas trop droit, parce que je sais que ça c'est votre monde, mais vous allez souffrir de parler un peu politique aujourd'hui, et bien que nous allons faire appel au droit un tout petit peu, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus politique. Vous avez dit que ce sont les mêmes personnes, le président de la République n'aura pas à créer d'autres personnes. Mais ce sont ces gens-là qui avaient échoué. Vous croyez aujourd'hui, vous personnellement, au changement? Vous croyez que ces gens-là ont changé, et avec le chef de l'État aujourd'hui, avec l'Union sacrée, avec l'accord FCC-Cache, ils avaient échoué. Aujourd'hui, avec le chef de l'État dans l'Union sacrée, ils peuvent faire mieux? Moi, je crois que la seule chose qui a beaucoup plus favorisé l'échec de la gouvernance FCC-Cache, c'était beaucoup plus le fait qu'il n'y avait pas l'unité de commandement. Donc, il n'y avait pas l'unité de commandement. Il y avait une sorte de bicéphalisme. Il y a des gens qui, avant de poser quelconque acte de l'État, devraient se référer. Et que cette façon de faire n'avait pas, à mon humble avis, de favoriser l'éclosion du pays. C'est comme ça que, lorsqu'il faut chercher l'unité des commandements, c'est dans l'unité des commandements que la vision peut être concrétisée. Et lorsque les gens ne parlent pas le même langage, il y a beaucoup plus de chances à ce que la construction qui a été faite soit manifestement une construction sans le lendemain. Voilà. Professeur, aujourd'hui, en tout cas, nous allons parler des ambitions de ceux qui viennent. Parce qu'avant d'en arriver, je vous pose une petite question. On a suivi Lambert Mende en venant à l'Union sacrée. Il a dit que c'est le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, l'autorité morale du FCC, qui a dit à ses membres du FCC d'aller accompagner l'action du chef de l'État. Est-ce que c'est de la sincérité ou ils veulent mettre des crocs dans les jambes du chef? Oh, je ne suis pas trop qualifié pour à savoir un peu plus sur l'affirmation de M. Lambert Mende. Mais que je sache, c'est que, admettons aujourd'hui que le président de la République, l'ancien président de la République, ait compris qu'il y a lieu de changer les choses, et qu'en réalité, pour matérialiser ses voeux de changer les choses, il aurait envoyé ces gens auprès de celui qui a aujourd'hui en train de commander le pays au fait de marcher selon l'idéal commun qu'il porte aujourd'hui. Si tel est le cas, moi je trouve que c'est bon. Et si c'était une façon, encore une fois de plus, de venir chercher à bloquer l'action, manifestement du chef de l'État dans le sens de la bonne direction, là, je crois que ces gens sont malvenus. Donc, le plus important aujourd'hui, parce qu'il faut voir l'intérêt du peuple congolais. On vient de passer pratiquement 61 ans d'indépendance. On va peut-être l'atteindre. Hein? Au mois de juin. Au mois de juin. Oui. Et que le pays ne fait que reculer. Le pays ne fait que reculer. Il y a lieu de s'asseoir à un moment, réfléchir et penser la gestion autrement. Et que, à mon humble avis, c'est ça ce qui semble animer l'actuel président de la République. Que les gens qui vont venir, ils vont venir, ce sont des Congolais. On ne peut pas créer, comme je l'ai dit, on ne peut pas créer d'autres. Ces gens-là doivent comprendre qu'il est plus qu'un temps d'échanger les choses. Voilà un peu ce Mende peut être envoyé par les sénateurs à vie, pourvu que cet envoi soit dans le sens véritablement devenir et participer. Vous ne voyez pas en cela une manière pour le FCC de venir bloquer le chef de l'État de l'intérieur? Je ne vois pas ça, d'autant plus que, à mon humble avis, le chef de l'État actuel ne donnera pas cette chance-là. Donc je ne vois pas la chose de cette façon-là. Voilà. Parlons maintenant des ambitions des uns et des autres. On a suivi ensemble de Moïse Katumbi qui a claqué la porte de l'Union Sacrée en quelque sorte, justement parce que son cahier des charges n'était pas pris en compte. Aujourd'hui, la question se pose au niveau de la gestion des ambitions. Comment est-ce que le chef de l'État peut gérer les ambitions des uns et des autres pour la réussite de cette union sacrée? Bon, vous savez, la République, c'est quelque chose que nous avons en commun. L'idée de l'union sacrée est venue du président de la République. Et il y sait, il est même convaincu qu'il ne peut pas concrétiser cette idée sans les autres. C'est comme ça qu'il a appelé les gens. Et lorsqu'il appelle ces gens, c'est pour qu'ils gèrent autrement la chose publique. Et gérer autrement la chose publique signifie aussi responsabiliser des gens. Oui. Alors, lorsqu'on responsabilise des gens, ce n'est pas de manière autoritaire que le chef de l'État est appelé à imposer que non, toi tu vas aller là-bas, toi tu ne feras pas ceci, toi tu vas... Non, c'est de manière consensuelle, que les choses doivent être faites. Donc, le président de la République, avec ses compatriotes, doit tout faire pour que les ambitions telles que manifestées, donc la manifestation des ambitions, c'est quelque chose de très important. Tout le monde est appelé à gérer ces pays, bien entendu à des degrés différents. Il n'appartient pas, à mon humble avis, au chef de l'État, parce qu'il ne sera pas le seul à gérer. Il gère l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, ainsi que d'autres institutions. De toute façon, il aura toujours besoin des animateurs de ces institutions-là. Mais pourvu que les gens travaillent dans le sens de l'intérêt commun et non dans le sens du président de la République comme individu, mais dans le sens de l'intérêt commun. Donc la gestion des ambitions doit être faite de manière quelque peu consensuelle. Mais vous ne voyez pas que ce qui s'est passé avec Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, qui sont venus de rencontres avec le chef de l'État, il n'y a pas eu d'issue, ils sont partis. D'un côté, l'UDP s'accuse ensemble de Moïse Katumbi d'égoïsme. De l'autre côté, ensemble accuse Jean-Marc Kabound de tout bloquer, de vouloir donner l'Assemblée nationale à Jean-Pierre Liao, qui est un transfuge du FCC, la primature a bâti. Vous ne voyez pas que dans tout ce qui se passe là, le peuple ne retrouve pas son compte. De toute façon, oui, le peuple ne peut retrouver son compte que lorsque les animateurs des institutions sont déjà en place et que l'on juge ceux qui seront en place par rapport à l'action. Les ambitions telles que manifestées sont légitimes. Mais lorsqu'on manifeste les ambitions, on doit tenir compte des poids politiques de tout un chacun. Vous vous rendez compte? Donc, ce n'est pas comme ça que l'on peut venir animer une institution alors que politiquement, vous ne représentez pas grand-chose. On aime la vie, les ambitions telles que manifestées sont légitimes, mais il faut que les gens se rendent compte que ne peut manifester une ambition à tel poste que c'est lui qui a véritablement un poids politique nécessaire pour revendiquer. Mais c'est ce que Moïse Katumbi est en train de faire, alors, bien évidemment, donc, avec plus de 70 députés. À mon avis, la vie légitime. Parce que le président de la République, comme je le disais tantôt, ne peut pas imposer aux gens, parce que à ce moment-là, le risquerait de confondre, on risquerait de tomber dans la confusion des pouvoirs, où vous-même vous êtes entré, en fait, vous mettez quelqu'un de votre choix comme un président de l'Assemblée nationale, et là, c'est vous qui faites la loi, alors que vous êtes à l'exécutif. On n'a pas besoin de la confusion de pouvoir. Mais c'est ce qui nous a été rapporté, bien évidemment. Les pouvoirs doivent être séparés. Et les tout dans l'intérêt de la collectivité. La vocation, c'est que je ne prête pas d'attention au président de la République, de vouloir... tout gérer, si telle serait son intention, en démocratie, cela n'est pas de mise. D'autant plus qu'il y a un vieux principe de droit, le principe de séparation des pouvoirs qui a été défendu par les philosophes des Lumières, qui interdit toute confusion, parce que lorsque l'on a tous les pouvoirs entre ses mains, le premier de réflexe, c'est d'en abuser. C'est comme ça que le président de la République est appelé, si telle serait son intention, à revoir un peu pour retrouver un peu le juste milieu. Le président de la République va trouver un juste milieu, mais il y a aussi un autre problème aujourd'hui. Alors qu'à l'Est, il y a des tueries presque tous les jours. Et ici à Kinshasa, les gens se disputent pour le partage du gâteau. Apparemment, cette union sacrée ne donne pas l'impression d'être quelque chose pour l'intérêt du peuple. Non, vous avez vous-même dit tantôt ici que cette union sacrée cherche à se concrétiser, à prendre corps. Et que donc, on ne peut pas condamner quelque chose qui n'est pas encore manifestement concret à donner des résultats. Donc, ici, il faut que les responsabilités soient attribuées aux gens et que ces gens prennent en compte, entre autres, la question de l'Est. Donc si aujourd'hui les gens sont en train de parler de la gestion des ambitions, c'est aussi pour gérer les questions de sécurité. Donc ce sont des choses que les gens racontent sans mesurer les conséquences. Portée, c'est tout à fait normal que les gens commencent par avoir des attributions et que de ces attributions, ils gèrent chacun dans son secteur. C'est tout à fait normal. Donc aujourd'hui, commencer à critiquer l'Union Sacrée serait prématuré. Bon, non seulement prématuré, mais c'est un non-sens. Un non-sens, vous critiquez quelque chose qui n'est pas trop concret. Bon, est-ce que l'on comprend quelque chose? Moi, je ne sais pas comprendre comment on peut critiquer l'Union Sacrée qui n'a pas encore mis en place ses idées. Comme ça, non. Parce que la tendance porte à croire que les gens qui viennent, viennent pour le partage du pouvoir. De toute façon, ce pays sera toujours géré. C'est un pays qui sera toujours géré. Et lorsqu'on gère, on partage le pouvoir tout naturellement. Et les gens ont tendance à exagérer un peu. Non, voilà, c'est le partage du gâteau. Le partage du pouvoir, c'est cette répartition de gestion entre les forces à présence. Et donc, l'on ne fera pas autre chose que partager les pouvoirs. Le partage du pouvoir ici donne la mauvaise impression lorsque le pouvoir est donné aux gens manifestement qui ne sont pas venus pour l'exercer dans le sens de l'intérêt commun, mais pour leurs propres intérêts. C'est ça ce qui est, à mon humble avis, dénonçable. Mais lorsque l'on partage le pouvoir pour que les prix soient véritablement pris en charge, pour que les pays soient pris en charge, je ne trouve pas d'inconvénient. Il n'y a pas d'inconvénient. Nous allons surfer un tout petit peu la mission d'intervention qu'on fait à Bati et FCC sans l'aval de leur regroupement politique qui sont allés en individuel. Ils ont perdu leur mandat. Moi, je crois que la République est gérée par des institutions. Nous ne sommes pas un État, une République bananière. Nous sommes une véritable république, un État normal. Dans un État normal, il y a le fonctionnement des institutions. Et chaque institution a reçu un mandat constitutionnel d'œuvrer dans le sens de rencontrer les attentes. Alors, lorsqu'on parle de la violation de l'article 110 de la Constitution, je pense à mon avis, la question avait déjà trouvé solution avec l'arrêt qui a été rendu récemment ici par la Cour constitutionnelle. Parce que nous devons aussi avoir la foi et confiance à notre justice. Pour dire que le mandat parlementaire n'est pas un mandat impératif. Et que c'est un mandat en principe national. Et ça veut aussi dire que aucun député n'est tenu d'émettre son avis sur base d'une idéologie politique donnée. Donc nous devons d'abord, avant tout, respecter la Constitution. Et que donc, si véritablement il y a ce que l'on appelle violation de la Constitution, à ce moment-là, que ceux qui estiment, c'est comme ça que la République fonctionne, ceux qui estiment que la Constitution avait été violée, ils ont la latitude. Les portes sont ouvertes de la Cour constitutionnelle ou des différentes autres institutions judiciaires à poser la question de la violation ou pas de cette constitution-là. Mais à mon humble avis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces gens-là n'ont pas encore de manière délibérée. Encore faut-il comprendre sur la question de quitter délibérément son parti politique ou son regroupement politique. C'est toute la question. Donc, cette question, l'appréciation ne revient pas à tous les citoyens congolais. Il y a un organe constitutionnel, constitutionnellement institué, qui avait reçu mandat de par les constituants congolais à analyser ce genre de questions. Et que, à mon humble avis, si l'arrêt qui a été rendu n'a pas été bien compris par ceux qui estiment que ces gens-là sont partis et qu'ils doivent perdre leur mandat, ils n'ont qu'à aller, encore une fois de plus, visiter la Cour constitutionnelle pour qu'une réponse la plus plausible soit accordée. Il y a également une question constitutionnelle qui se pose par rapport au bureau d'âge. Il y a un groupe de députés également qui est allé déposer une pétition contre le bureau d'âge. Est-ce que la loi permet aux députés de pouvoir signer une pétition contre un bureau d'âge? Bon, la question aussi avait été vidée, à mon humble avis, par la Cour constitutionnelle sur la saisine du président de ce bureau d'âge. Donc la Cour avait estimé, en bon droit, que la Constitution, comme le règlement intérieur, aucun de ces deux instruments ne donne le droit aux députés de démettre un bureau d'âge. Vous vous rendez compte? Oui. Démettre un bureau d'âge. D'autant plus que le bureau d'âge, c'est un bureau de circonstances qui va disparaître avec la circonstance. Et qu'au jour d'aujourd'hui, il fait repartir ces bureaux comme si c'était un bureau définitif, me semble être un peu compliqué. La démarche est beaucoup plus politique que juridique dans tout ça. Dans tout ça, c'est une démarche beaucoup plus politique, mais d'un point de vue constitutionnel, on ne peut pas démettre par pétition les bureaux d'âge. Nous allons terminer, professeur, avec la grâce présidentielle. Vous vous souviendrez qu'à la fin de l'année 2020, le président de la République a signé une ordonnance portant mesures de grâce collective. Et il y a Eddie Capen et ses co-accusés de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila qui en ont bénéficié. Il y a également deux personnes condamnées pour détournement des deniers publics dans le procès 100 jours qui en ont bénéficié. Benjamin Wenga de l'OVD et le DG de la SOCOC. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce que des personnes condamnées pour détournement des deniers publics peuvent bénéficier d'une grâce présidentielle? De toute façon, il faut comprendre que le détournement des deniers publics est une infraction comme toute autre infraction. Et que, en ce qui concerne la prise d'ordonnance par le président de la République, l'ordonnance en soi n'énumère pas les noms des gens qui doivent bénéficier. L'ordonnance pose des principes. Vous vous rendez compte? Il appartient aux services compétents de se référer de l'ordonnance par rapport aux principes posés pour identifier ceux qui peuvent bénéficier de cette ordonnance, de cette grâce présidentielle. Et dans mon humble avis, l'on doit aussi, comme je le disais tantôt, faire confiance à nos services, à nos organes qui ont été établis de par notre propre volonté commune. N'est-ce pas? Donc, si il s'est avéré par les services compétents de trouver que parmi les compatriotes qui devaient bénéficier de cette mesure se trouveraient aussi les deux compatriotes que vous venez de citer le nom ici, tant mieux, tant mieux. Mais si ces services, parce que ce sont des services qui sont animés par des êtres humains, et que toute œuvre humaine est toujours attaché de certaines imperfections. Et comme tel, s'il s'est glissé, il n'est jamais tard pour mieux faire. L'on n'a qu'à corriger. Mais moi, je trouve que non, voilà, l'infraction de détournement des deniers publics, c'est une infraction comme tant d'autres. Lorsque quelqu'un avait été condamné et qu'il est éligible par rapport à la mesure prise par les chefs de l'État, de manière impersonnelle, on n'a qu'à exécuter la mesure du chef de l'État, n'est-ce pas? Et ça que, bon, je comprends la République, nous sommes une République des réseaux sociaux, et tout le monde est capable de tout faire, donc tout le monde condamne tout le monde peut faire tout, et puis voilà, c'est un peu ça la République, voilà. Mais comment on peut comprendre que l'ordonnance, le président de la République certes a signé une ordonnance, mais cette ordonnance-là ne reprend pas les noms de ceux qui doivent bénéficier de la grâce présidentielle. Les noms doivent figurer par contre dans l'arrêté du ministre. Mais il s'est avéré que l'arrêté n'a pas été signé par le vice-ministre de la Justice, parce que c'est lui qui assume l'intérim du ministre de la Justice. L'arrêté a été signé par le ministre de l'Énergie, sous prétexte qu'un vice-ministre ne peut pas signer un tel arrêté. Vous, en tant que juriste, quelle analyse faites-vous de cette situation? Bon, de toute façon, je n'ai pas connaissance assez avancée par rapport à la manière dont les choses avaient été faites. Parce qu'en réalité, il y a une ordonnance qui fixe les attributions des ministres, des membres du gouvernement. Oui. Et à mon humble avis, à cas, lorsque dans un ministère, il y a un vice-ministère, je pense que, entre autres attributions que l'on reconnaît au vice-ministre, c'est aussi d'assurer l'intérim de celui qui est parti, ou qui n'est pas là, ou qui est indisponible. Oui. Alors, s'il y a eu une particularité qui a fait qu'au lieu du vice-ministre ayant en charge la justice qui n'a pas signé, là je ne sais pas. Et à mon humble avis, c'est que celui qui a signé avait reçu mandat légal de le faire. Est-ce qu'il l'a fait dans les suivant la loi, en fait, suivant les principes posés dans l'ordonnance? Là, je ne sais pas. Est-ce qu'il l'a fait sciemment? Je ne sais pas aussi non plus. Donc, on doit faire confiance, à mon humble avis, aux gens qui ont été choisis et pour nous gouverner. Alors, lorsqu'il y a des erreurs commises par ces gens, il y a toujours des moyens pour les corriger. Voilà. Hein? Donc, je suis vraiment dans les principes. Voilà ce que je peux, je ne connais pas vraiment trop. Est-ce qu'au cas où c'était une erreur de la part de la personne qui a pris cet arrêté, pour corriger cette erreur, ces gens-là peuvent retourner en prison? Est-ce qu'ils peuvent retourner en prison? Tout naturellement, parce qu'ils n'ont pas été éligibles. Hein, donc, lorsqu'on n'a pas été éligible, c'est une mesure en fait, une mesure purement administrative. Oui. Hein, lorsqu'on est condamné, on doit purger sa peine. C'est ça le principe. Bon, l'exception peut faire que des gens, comme ça, par la grâce présidentielle, au lieu de continuer à publier, la grâce peut faire en sorte que ces gens-là puissent quitter la prison. Mais lorsque l'on n'a pas été ou par fraude, l'on s'est retrouvé sur la liste. La fraude corrompt tout, je pense. En droit, la fraude corrompt tout. Donc, lorsqu'il est établi que par fraude, que le nom a été glissé sur la liste de ceux qui devaient bénéficier de cette mesure-là, et que l'on n'a pas été éligible à ce moment-là, la moindre des choses serait de rentrer dans la normalité. Oui. Et ça va aussi moraliser aussi, hein, parce que la particularité de l'infraction des détournements des deniers publics, c'est que ça concerne pratiquement tous les citoyens. Donc tout le monde est en train d'en souffrir d'une manière ou d'une autre. Et que les citoyens, manifestement, sont en train de manifester la volonté de voir les dirigeants vraiment se comporter à des citoyens normaux qui doivent distinguer les caisses de l'État avec leurs propres poches. Oui. Donc c'est un peu ça. Donc c'est révoltant lorsque quelqu'un, après avoir détourné, on les voit de haut, sans même restituer. Donc ça pose déjà un problème de moralité. C'est comme ça que la question suscite un peu d'interrogation dans l'opinion. Oui. C'est tout à fait normal. Je comprends. Voilà, professeur, nous sommes arrivés à la fin. Mais vous êtes conscient que le pays va mal? Bon, je suis comme tout autre Congolais. Je vis du fisc des Congolais, et que je suis aussi en train de constater, comme tout Congolais, que les choses ne vont pas dans la bonne direction. C'est comme ça que, comme il n'est jamais tard pour mieux faire, le chef de l'État a compris qu'il faut s'arrêter un moment et réfléchir au fait de prendre de bonnes décisions qui vont faire en sorte que les pays aillent un peu dans la bonne direction. Oui. Donc je suis tout à fait convaincu que le pays va mal. Je suis également convaincu qu'avec les mesures actuellement prises par le président de la République, avec les concours des autres, l'on peut espérer un lendemain qui soit encore meilleur. Un mot de la fin, un mot d'espoir aux Congolais qui sont désespérés aujourd'hui, qui ne croient plus aux hommes politiques, qui ne croient pas à l'Union sacrée. Un mot d'espoir, et ça sera votre mot de la fin. De toute façon, parce que même la Bible nous enseigne, c'est que tout le monde puisse croire. Et si l'on ne croit pas, lorsqu'on ne croit pas à l'autre, on ne sait pas croire à soi. Et que s'il faut dire un mot à l'endroit des Congolais, c'est de garder cette espérance-là. Garder cette espérance-là, de chercher un peu à appuyer les idées telles que lancées par les chefs de l'État, tout à lui demandant à être beaucoup plus exigeant, à ce que la démocratie que nous avons tous luttée soit une réalité, que l'idée de l'Union sacrée soit une idée qui va davantage cimenter la démocratie. Qui va cimenter davantage la démocratie. Voilà un peu le dernier mot que je pouvais adresser à nos compatriotes congolais. Bien, merci. Merci à vous de nous faire confiance. Merci. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Vous avez été très nombreux à réclamer la présence du professeur Patrick Mende. Il est là. Un grand merci à pour votre fidélité. Un grand merci à Thierry Batondoko au cadrage. Exaucé Odinga et Russel Enga pour la partie technique. Un grand merci à Bijou Maikani et Odon Bulamba pour la coordination et la supervision. Et vous tous, nos chers internautes de la diaspora, je vous dis un grand merci et on se retrouve à la prochaine.